Pourquoi est-ce que le m-commerce est si important en général pour le monde du digital? C'est qu'on voit que c'est une tendance qui devient plus importante que la tendance classique du desktop. En 2012, le m-commerce était quasi inexistant. Sur les dernières 3-4 années, le m-commerce a vu une croissance tellement importante qu'il a dépassé le desktop. On a commencé en 2008 avec forcément que des fonctionnalités desktop. Aujourd'hui, le m-commerce représente à peu près 60% de notre trafic, soit sur une tablette ou un smartphone. Et donc, le desktop est de facto devenu minoritaire. Le mobile va continuer à croître. Les taux de croissance par trimestre sont gigantesques. On fixe une stratégie mobile first pour la société et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire sur toutes les lignes de métier, dans toutes nos actions et dans toute notre réflexion stratégique pour vraiment se focaliser sur le mobile en premier. Le consommateur s'attend à une expérience parfaitement simultanée et parfaitement facile entre les différents outils. Il veut pouvoir regarder son smartphone le matin dans les transports en attendant le bus. Quand il ou elle arrive au bureau, il veut pouvoir surfer son desktop tout en ayant exactement les mêmes choses qu'il a vues. S'il a mis les choses dans son panier, dans sa wishlist, il veut les revoir et apparaître. Et le soir, quand il se retrouve devant la télé sur son canapé avec sa tablette, il veut retrouver la même tendance. Chez Zalando, nous avons mis en place un certain nombre d'initiatives et de décisions stratégiques pour vraiment mettre en avant le m-commerce. Bon, déjà, sur les dernières années, nous avons obtenu 14 millions de téléchargements de notre appli mobile. On vient de relancer notre application sur Android et iOS en janvier. Donc, on est constamment en train de refondre l'appli pour qu'elle soit plus performante, plus innovante, plus attractive. Mais dans notre organisation, on a aussi fait quelques gros efforts. On a ouvert l'année dernière un bureau à Helsinki, qui est un tech hub spécialisé sur le mobile. On a une quarantaine d'ingénieurs qui sont vraiment dédiés à tout ce qui est technologie mobile. On a fait la même chose à Dublin l'année dernière. On a ouvert un bureau spécialisé sur tout ce qui est data mining et big data, qui là aussi vient servir les applications mobiles, parce qu'on voit qu'on a besoin des ressources, on a besoin d'ingénieurs tech spécialisés sur ce secteur. Donc un vrai investissement. Et puis sinon, dans la culture d'entreprise en général, on a vraiment infusé un côté mobile first, où on oblige les collaborateurs à regarder des écrans mobiles plutôt que des écrans classiques desktop. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment se mettre dans les chaussures d'un client et se rendre compte de ce que c'est de passer du temps sur l'application mobile.